Karim Benzema en équipe de France, une image qui appartient désormais au passé. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui, et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire, et la nôtre prend fin. Une annonce en point d'orgue d'une histoire chaotique avec les Bleus. Après avoir connu 81 sélections entre 2007 et 2015, le scandale de la sextape met un coup d'arrêt brutal à sa carrière internationale. Mis en examen pour chantage auprès de son coéquipier en bleu, Mathieu Valbuena, il est écarté par la fédération. J'ai informé Didier Deschamps. Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. L'Euro 2016 en France se dispute sans lui, se considérant victime d'une injustice. Benzema règle ses comptes avec Deschamps dans la presse espagnole. Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Mais je ne sais pas si c'est une décision individuelle de Didier, car je m'entends bien avec lui et avec le président. Je m'entends bien avec tout le monde. Une sortie qui laisse une profonde cicatrice dans l'esprit du sélectionneur. Tenir certains propos, ça amène forcément à une agressivité verbale ou physique. J'en subis les conséquences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n'oublierai jamais. Malgré des requêtes pour trouver un terrain d'entente, l'attaquant du Real Madrid se fait une raison. Donc ça sera Didier Deschamps le sélectionneur. Je pense que je n'aurai pas la chance de retourner en équipe de France. En tout cas, c'est ce que je pense moi, parce qu'il n'y a pas de discussion. C'est devant sa télévision que Benzema assiste au sacre mondial des Bleus en 2018. Mais contre toute attente, Didier Deschamps le convoque pour l'Euro en juin 2021. On s'est vu, nous avons discuté longuement. Qu'il ait gagné en maturité, en sérénité, qu'il ait changé certaines choses, sans doute. À l'Euro, Benzema brille malgré une élimination en 8e, avant de porter la France lors de la Ligue des Nations. Son seul titre en bleu, signe d'un retour réussi, auréolé d'un ballon d'or, est finalement gâché avant le début de la Coupe du Monde. Blessé à la cuisse, il quitte le groupe précipitamment, alors qu'il souhaitait se soigner au Qatar pour garder une chance de disputer la compétition. Les derniers moments de Karim Benzema avec les Bleus laisseront, à l'image de sa carrière internationale, des impressions d'inachevé et d'immense gâchis. Le dernier chapitre de cette Coupe du Monde 2022 s'est donc officiellement refermé. Les vice-champions du monde ont fait leur retour, leur grand retour sur le territoire français à 20h30. Ils ont atterri à l'aéroport Charles de Gaulle à 21h38. Ils étaient donc au lieu de rendez-vous donné dans le 8e arrondissement parisien à l'hôtel Crillon à 21h38. Didier Deschamps et son capitaine Hugo Lloris ont été les premiers à venir saluer ces milliers de supporters qui avaient fait le déplacement pour pouvoir remercier les Bleus, les remercier des émotions qu'ils ont pu transmettre. Des milliers de supporters qui ont patienté pendant plusieurs heures dans le froid. Ils ont donc chanté, fait craquer quelques fumigènes, lancé quelques feux d'artifice en attendant le moment qu'ils attendaient tous, l'arrivée des Bleus donc sur ce balcon. Ils sont donc ensuite arrivés par ordre de numéro. Il y a eu le numéro 7, 8, 9 et 10. Avec dans l'ordre Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni, Olivier Giroud et bien sûr Kylian Mbappé, qui a été l'un des seuls joueurs de l'équipe de France à ne pas sourire, encore marqué par cette finale que lui a marqué de son empreinte avec ce triplé, bien entendu, et ce titre honorifique de meilleur buteur de la compétition. Mais ça ne lui a pas suffi. Kylian Mbappé est resté un long moment, a applaudi ses supporters évidemment, alors que d'autres joueurs ont plus profité de ce moment. On pense à Hugo Lloris et Olivier Giroud, car on ne sait pas si on le reverra avec le maillot de l'équipe de France dans un grand tournoi international. Didier Deschamps était présent aussi. Lui, on attendra de connaître son futur. Il le dévoilera au mois de janvier. Les Bleus vont désormais pouvoir partir en vacances, des vacances bien méritées. Puis pour penser à cette troisième étoile, il va falloir patienter 4 longues années et cette Coupe du Monde co-organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Moi, j'ai vu qu'il se passait bien. Moi, ça va pas. Non, ça va pas. Terrible nouvelle. Benzema prend sa retraite internationale. Pas sa retraite internationale à cause d'un gars qui veut pas prendre sa retraite. Bah oui. Oui, non, Deschamps veut pas quitter le poste. Il prend sa retraite. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Benzema, il aurait voulu jouer la finale. Il aurait voulu jouer la finale. Et le staff médical madrilène, en fait, lui a fait comprendre qu'il était apte à jouer. Tu vois, il aurait pu jouer depuis les quarts de finale ou les huitièmes de finale. Il était apte à jouer. Mais en fait, voilà, on l'a écarté. Déjà qu'il était avec l'équipe de France et tout, tu vois, il part faire ses examens, il part à minuit, il revient à 6h du matin, il n'y a personne pour l'accueillir. Ah ouais, dans l'hôtel, il n'y a aucun joueur, il n'y a personne, à part Marcus Thuram. Sinon, il n'y a personne pour l'accueillir. Même s'il part, il peut revenir à 3h du matin, tous les joueurs argentins sont là pour l'accueillir. Modric, il part, il revient à 6h du matin. Ah, je vous dis, c'est retransmis en direct sur les chaînes croates. Ah, carrément, c'est retransmis en direct. On le suit carrément
jusque dans le scanner, c'est retransmis en direct. Tu vois? Et le mec, il est là, il est ballon d'or. Donc quand même, c'est-à-dire que c'est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de cette équipe. Et on s'en fout. Il revient à 7h du matin et on s'en fout. Personne pour l'accueillir. On peut dire oui, bon, les joueurs étaient fatigués, ils dorment. Bah même pas en moi le coach. Donc le message que ça renvoie, c'est en gros, on s'en fout. Tu vois, des gens qui renvoient, c'est en gros, je m'en fous. Tu vois, tout ça parce que à la cérémonie du ballon d'or, il l'a pas remercié. Tu l'as remercié Zidane et tout. Mais tu voulais qu'il dise quoi sur toi? Tu voulais qu'il te dise quoi? Merci de m'avoir privé de l'équipe de France pendant 5 ans. Merci de m'avoir privé d'une Coupe du Monde. Tu voulais qu'il te dise quoi? Sérieusement, tu voulais qu'il te dise quoi? Vaut mieux qu'il n'ait pas parlé. Parce qu'il aurait pu te détruire. Bah, non, mais c'est vrai, en direct live, il aurait pu te détruire. Tu voulais qu'il te dise quoi? Tu vois, le gentil de service qui vient et qui dit oui, voilà, merci Deschamps de m'avoir repris, merci, vous êtes très bon, hein. Mais t'étais obligé de le reprendre, il n'y avait plus personne en attaque. T'étais obligé de le reprendre. T'étais obligé de le reprendre, donc il revient, tu vois, et le staff dit non. Le staff lui fait une VG Dream, rentre à la maison, voilà, t'es trop blessé, c'est compliqué pour toi de revenir. Donc le mec il part en vacances, il part à la Réunion, tu vois. Et ensuite il a une réunion avec le staff madrilène et on lui apprend qu'il peut jouer. Qu'il aurait pu même jouer depuis les quarts de finale. Mais tout être humain serait dessus. Serait un peu dégoûté. Aurait un peu de la colère. Tu lui fais croire que tu lui mens droit dans les yeux. T'es pas l'entraîneur, t'es un menteur pathologique. Tu vois, il est là au Real Madrid et même au Real Madrid, il a eu le temps de faire un match. Donc il était encore en forme. Il y a des images de l'entraînement du Real Madrid. Il fait des contrôles incroyables. Il a mis des frappes incroyables en angle fermé, en angle ouvert, en angle carré carrément même. Il a mis des frappes, tu te dis qu'en finale, là, il aurait mis au fond. Donc c'est normal qu'il soit un peu dégoûté. Et voilà, il a mis ça ne m'intéresse pas. Bah c'est normal. Frère, tu lui mens dans les yeux, ça ne m'intéresse pas. Là, Macron l'a invité, mais avant la finale, bah il est pas venu. Bah il a raison. Et Zidane aussi est pas venu, et Zidane a raison. Parce que voilà, tu vas le faire venir, il va avoir Deschamps, et Deschamps qui gagne ou qui perd, on voit comme Macron qui dit ensuite en conférence de presse, oui, j'aimerais que Deschamps prolonge encore et tout. Ouais, bah. Donc en gros, peu importe ce que fait Deschamps, Zidane en fait va jamais reprendre l'équipe de France. Mais tu veux qu'il vienne regarder. Donc moi je pense que Benzema reviendra un jour l'équipe de France, mais il reviendra que si Zidane est sélectionneur. Parce que tant qu'il y aura Deschamps, non, c'est incompatible. Il y a trop d'hypocrisie, trop de haine, trop de sous-entendus, trop de magouilles, trop de trucs comme ça. Et d'où Macron, c'est lui qui gère l'équipe de France. Non mais gère déjà le pays s'il te plaît. Gère le pays. Il y a des coupures de courant, des coupures d'électricité, des grèves. Gère le pays s'il te plaît, s'il te plaît. Gère le pays. Après tu pourras peut-être gérer l'équipe de France, mais gère d'abord le pays. Non, gère d'abord ta maman, gère d'abord Brigitte. Mais il faut toujours faire attention. Qui est parti gérer sa prof. Ah, faut toujours faire attention. Tout le temps. Parce que ça montre que cette personne a un peu de vice. Yep. C'est incroyable. Vous arrivez quand même à vous passer du ballon d'or. Et à mentir au ballon d'or. C'est pas t'es en train de magouiller face à un Martial. C'est pas au ballon d'or. Vous voulez vous passer du ballon d'or. Du ballon d'or du peuple. Du ballon d'or du peuple et de l'homme du peuple, Zidane. Ah non. On verra ce que ça donnera à l'Euro, mais je pense que Benzema reviendra si seulement si un jour Zidane prend l'équipe de France. Sinon, j'avoue, l'histoire est finie. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.